Oui. Nice, c'est bon, toutes mes scènes sont ready, on va pouvoir commencer Kingdom Hearts HD Collection 2.8 Final Chapter Prologue. Alors comment est-ce que c'est un prologue alors que c'est le dernier chapitre, on ne comprend rien. Disney, Square Enix, Mickey, Sora, l'autre con, j'ai oublié son nom. Plein de gens, plein d'histoires, on comprend jamais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quoi et les gens l'aiment bien. Et puis il y a celui-là. Alors je sais même pas dans quel ordre je dois aller le faire, mais si j'ai bien compris, faut jouer à la distance de chute loin, je sais pas quoi. La distance de chute de rêve. Dream Drop Distance HD. Un des cages que j'aime le moins, je suis heureux. Sérieux? On va voir s'il est à chier. En tout cas, j'hésiterai pas à chier dessus comme j'ai chié sur le jeu de cartes et sur les parties chiantes dans... C'était quoi l'autre jeu? Où il y avait à quoi? Birth by Sleep, de toute façon il est écrit là, Birth by Sleep 0.2. Et puis après il y a un film avec des mecs en soutane, je crois comment ça s'appelle. Bref, on est parti pour Kingdom Hearts, drop distance, pas beaucoup. J'espère qu'il est rapide, hein. J'espère qu'il est rapide, qu'il est pas trop long. Normalement si c'est un Kingdom Hearts comme les autres, il fera une quinzaine d'heures. Alors est-ce qu'il y a une cinématique d'intro? Pour commencer. Il fait une quinzaine d'heures et me connaissant, je vais le faire en 10 heures parce que je vais rush. 20 à 25 heures! Jamais!
Oh mais je dis oui! Je dis oui à l'infini! C'est toujours aussi stylé les cutscenes et les musiques dans ce jeu. Comment vous voulez que j'y joue pas? Moi j'étais déjà là 20h, 25h, jamais! Mais c'est bon, lance ton jeu, lance ton jeu! Lance ton jeu! En plus on a vu tout le monde, c'est stylé, putain c'est stylé. Faut chier quand même, hein. Faut vraiment chier. Hein. C'est comme... j'ai l'impression que c'est la même sensation que j'ai quand je vois des trucs Nintendo des fois qui sortent et que je suis en mode mais c'est bon, prenez mon argent. Bah là c'est très bien, c'est très bien. Il a fallu d'une musique et de trois personnages et puis j'étais content. Hein. Moi j'ai vu Mickey, j'ai vu Donald, j'ai vu Dingo, c'est bon. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Un de mes génériques préférés. Ah bah j'avoue qu'il est vraiment très bien. J'avoue qu'il est vraiment très bien, Boris. On est le 24 décembre, donc joyeux Noël, comme ça c'est fait. Et bon réveillon à tous. Moi je vais jouer à Kingdom Hearts la distance de la chute des rêves. Parce que j'ai que ça à foutre. Continuez. Pas possible. Expert. Mode difficile dans lequel tu affrontes des ennemis puissants. Ouais, on a galéré toute notre vie, alors continue. La musique est forte. On verra si c'est la même chose pour un coup. Je veux les sous-titres. C'est bon. Ah. J'ai peut-être baissé le son du jeu. On va voir si c'était juste le menu ou si c'est tout. On va baisser un tout petit peu. Hey, is this how you wanted it? Quoi? Xehanort, you want to fill me in? Ça commence déjà les ambiances. Hey, do you remember now or wait? Did you never lose your memory? That's not my name. I'm not Xehanort. What? What the fuck? My name is Ansem. But how far could a raft take us? Who knows? If we have to, we'll think of something else. Riku, a storm's coming. I know. The waves are getting steep. Furl the sail. Right. Riku! I'm fine. What's that? Quoi déjà? Right. Those wretched guppies are here. Well, it's about time. We settled the score! Ursula? But how? Is this the test? Come on! You can work it out later. All right! Sorry, dearies, but I won't fall for that trick. Quel piège! Faut déjà combattre? Aide, le précédent suivant. Mémo, mémo, initiation, combat principe. D'accord. Combat tiré principe même. C'est compliqué. Visionner, passer. C'est une image. Les mémos sont des initiations et flashback optionnels. Accéder aux mémos en sélectionnant visionner ou regarder à l'écran. D'accord. Les mémos sont aussi accessibles à tout moment dans le menu principal sous l'option mémos. Donnez-moi des mémos. Visionner. C'était pas regarder, c'était visionner. Le jeu sait même pas ce qu'il écrit. Merde. J'ai passé le tuto ou je l'ai? Ah. Utiliser L pour te déplacer. Ah, d'accord. Tu peux faire pivoter la caméra avec R. Appuie sur R3 pour se recentrer la caméra. D'accord. Observe les alentours. Oui. 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 J'observe dur. Ouais, c'est bon. Appuie sur X pour attaquer. Appuie plusieurs fois sur X après avoir réussi une attaque pour réaliser un combo. Éliminer un tentacule. Attaquer l'approche. Yeah, hey. Mmh. Ha, hey.
Y'a pas un système de lock. Voici ta jauge de HP. Mes HP. Je vous cache mes attaques. Ça va être compliqué de me placer. Le niveau diminue lorsque tu subis des dégâts. Si elle se vide complètement, la partie est terminée. Appuie sur carré pour parer. Appuie sur déplacement carré pour te déplacer pour esquiver. Hein, ouais. Appuie sur haut pour sauter. Quand t'es chaud, les attaques. Ah, on voit rien. La caméra fout mon perso de manière horrible. Verrouille une cible sur laquelle. Ah voilà. R1 plus. Voilà, nice. Là on voit. Allez, comme ça je peux déplacer. Okay. Verrouille une cible permet de ne pas perdre l'ennemi de vue pendant un combat. Quitter le mode verrouillage, appuie sur R1. Jeu de commande. Alors attendez. Je vais faire un truc. Peut-être me déplacer quelque part où je serais moins chiant. Je me rappelle que je m'étais mis au-dessus des commandes quand on avait fait l'autre jeu. Peut-être pas plus mal. Merde. Où est-ce que je mets le. Attendez, j'ai une idée. Ça va aller comme ça? Ça devrait aller, ouais. Je crois que je m'étais mis comme ça quand on avait fait l'autre jeu. L'autre jeu. Appuie sur les flèches directionnelles, commande la jauge est pleine, appuie sur triangle, commande. Ah mais c'est comme Bird by Sleep en fait. Du coup je dois faire Thunder, Fire. Freeze. Putain mais lock, voilà. Non je vais pas utiliser le popo. Je vais envoyer. Vas-y. Fire. Nice. Ursula, ramène ton cul. Tu peux trouver le cul de Ursula à tout moment. Pour le trouver, il suffit de placer ton jeu de commande. Attends d'être en lieu sûr pour appuyer sur option et le faire. Tu peux personnaliser ton jeu de commande, mais aussi l'accumuler, les stats. Ouais, génial. Joue au jeu, merci. Ouais, joue au jeu. Salut Riku. C'est Riku, hein. Ça y est, je me rappelle de son nom. Ah, merci de soulever la plateforme pour que je puisse attaquer. C'est très sympathique de ta part. Aïe. Y'a pas de double saut dans le jeu. Ah mais on attaque pas avec carré, je suis bête. Putain mais ouvre pas la bouche comme ça devant moi, c'est dégueulasse. Aïe. Tiens, ramasse. Mais qui a mis une potion au milieu de mes trucs? Aïe. C'est le moment. Freeze. Tu tapes ton X. Comme tous les bons joueurs de la vidéo. Voilà, ça marche mieux. Walk. Nice. Ah. Putain, mais c'est dur de voir ce qui se passe dans le jeu. Allez, Riku. Ne laisse pas combattre tout seul, connard. Nice. On l'a tué. Et on level up. HP maximum augmenté. Ok, c'est Bird by Sleep. Parfois. Oh!
this world has been connected. D'accord. Il se passe quand le jeu ? Il se passe après le 2 ? Il se passe quand le jeu ? Mais j'ai pas appuyé sur X, j'avais pas fini de lire. Entrée du glossaire traitant des Keyblade. Merci. Est-ce que tu vas passer tout seul ? Est-ce que je peux appuyer sur X ? J'appuie sur X. Entrée du glossaire traitant des maîtres de la Keyblade. Okay. Il y a du glossaire. Hein. C'est dégueulasse comme. J'ai l'impression d'être déjà un Super Saiyan, du coup, c'est après le 2, non? Mode transition. Ok. Dans ce mini-jeu, éliminer les ennemis et récupérer des récompenses. Ceci remplace le Gummy Ship. D'accord. Ton objectif est de franchir l'anneau final qui s'active une fois que tu as rempli certains critères. Le critère varie d'une transition à l'autre. Les attaques rates si la cible rouge. Appuie sur X pour attaquer des ennemis, des objets quand la cible est jaune. Pour vaincre le boss, utilise leur point faible pour finir. Appuie sur rond pour atterrir. Carré pour esquiver la première. Tu récupères une sphère magique, puissance tri encore. Tu as une attaque magique spéciale. Puissance tri avant l'arrivée. Okay. Il attaque quand? Ok, c'est agréable. Faster! Faster! Yeah! Faster! Aïe. Pas absurde d'avoir compris. On pouvait tout récupérer. As du pont. Très bien. Ah, je suis trop fort, c'est pour ça. Sans doute parce que je suis trop fort que je suis l'as du plongeon. This is Traverse Town. Hey, what's with my clothes? Must be more of Master Yen Sid's magic. What happened to Riku? Encore cette vie. Riku! Hello! Oh, Riku! Shut it. Ouais, huh? Ferme ta Talk gueule. About noise. On dirait depuis qu'il est né, il court après Riku, Sora, c'est bon là. Yeah, but how do you know that? Looks like I'm not a player. A player? Come on, keep up. In the game. Players get marked with the time limit. And this game, I can't afford to lose. I need my game partner. Okay. I don't know about any game, but can I help? What? Time out. Do you trust every total stranger you meet? Look, sorry. You're no good. You're not a player. And my pack's with someone else. Okay, so we can't be partners. Why don't I just help you out as your friend? Now we're friends?
it's not that easy. Not saying it is, but you could make it easier. Yeah, sounds great. Whatever. Cool. Lead the way. Whoa. J'espère qu'il n'y a pas une limite de temps comme dans un certain Final Fantasy nul. Fluidité principe, vas-y, montre. On va faire les tutos du début au cas où c'est vraiment trop dur le jeu. Je me rappelle plus moi. Comment on vole avec Sora? La fluidité te permet d'exploiter à ton environnement au maximum. C'est Prince of Persia. Joystick carré pour glisser sur un mur ou un poteau, passer en mode fluidité. Mode fluidité, appuie sur rond pour sauter ou sur carré pour accélérer. Ça te permet de te déplacer plus facilement. Glisse vers le poteau et gagne de la vitesse. Damn. C'est bien après Kingdom Hearts 2, ça, on peut voler. Glisser n'est pas le seul moyen d'entrer en mode fluidité. Saute sur des objets, rambarde ou corde pour l'activer. Saute sur la rambarde pour passer en mode fluidité. Attends, faut d'abord que je m'amuse un peu. Ah ouais, c'est insane en fait. Ouais ouais, c'est bien après le 2 ça, c'est quand je deviens Super Saiyan. Bon. Alors, comment on saute? Fuck, je me suis perdu. C'est bon. Ok, je suis maintenant fluide. Encore un remix de la 15e fois. Encore un remix pour la 15e fois de cette musique de Traverse la ville. Merde. Point de sauvegarde pour sauvegarder, ça je connais. Ça aussi je connais, c'est le menu. Ok, je connais pas, j'ai utilisé une potion. Sauvegarder. Est-ce qu'il y a des fins cachées de fin de côté de fin de... Oh là là. Je sens que je vais devoir vérifier ça pour pas faire de conneries dès le départ. Ah mais X c'est pas pour sauter, c'est à quoi ça sert ce jeu? Déjà attendez. Non pas ça. Qui a mis une potion dans mes putains de... Merde. Comment est-ce que... compétence, c'est là? Non. Putain, j'ai toujours pas accès à ma... C'est peut-être configuration, pas du tout. Oh, ça reste. Attendez, maintenant que je vois configuration, que je vois les commandes de type, y'a pas... C'était comment dans Burn My Sleep? C'était A? C'était comme ça? Ah non, en fait, ça change pas les touches de combat et de saut. C'est juste les touches pour les commandes. Okay. Bah du coup, autant laisser... la possibilité de switcher avec R2. Ah maintenant R2, ça sert à rien. Bah ouais. Voilà. C'est cool comme ça. Un coffre. Commande. Potion, ok. Faut que j'aille où? Ici? Mais non, le mec il s'est envolé là-haut. Ça y est, je suis déjà perdu. Par là.
Altération du réel, oh là là. Le jeu a l'air compliqué. Hein. Utilise l'altération du réel pour changer les lois qui régissent ton environnement. L'altération du réel fonctionne différemment dans chaque monde. Le symbole rose apparaît sur une cible, tu peux utiliser une altération du réel. Appuyez très en gros pour activer. Utilise Z, oui, ok. Pour lancer en direction, frapper les ennemis. Ok, en gros, je peux faire un lance-pierre. Oh fuck. Je réussis pas à l'envoyer au-dessus de la barrière, c'est horrible. Pourtant ça allait vachement. Sur la cible, il faut remplir certains critères pour faire apparaître le symbole rose. En général, il suffit d'infliger une certaine quantité de dégâts en continu. L'altération du réel sur un maximum d'éléments, tu auras peut-être des surprises. Initiation terminée, merci. J'apprends le jeu. Je trouve que le son est beaucoup trop fort. Je le baisse encore. Je peux plus casser les poteaux. Là c'est horrible. Et pourquoi est-ce que j'enverrais un poteau là? Et pour aucune raison valide. On avance. Hey, I didn't catch your name. Dream Eaters. Je m'appelle Billy. Not me, them. Right, I knew that. Don't let them surround us. C'est moi ou bien un chat? Got it. Oh, it's Neku. Huh? Neku Sakuraba. You asked. Ah, un japonais. Neku Sakuraba. Salut. That's a mouthful. No, it's really not. Come on, Neku. Let's take him. Mais laissez-moi jouer. Sinon, j'aurais pas mis la caméra. Combat en mode fluidité. Putain, on peut combattre dans l'espace. Enfin, en mode Super Saiyan. Putain, il ressemble à rien. On dirait des sans-coeurs en bonbons. La fluidité sert non seulement en combat à se déplacer, mais aussi en combat, d'accord. Ah, les ennemis de ce jeu, je déteste leur design. On dirait des joueurs. Ils sont chelous. J'avoue, ils sont chelous. Appuyez sur X en mode fluidité pour effectuer une puissante attaque fluidité. Ouais, ouais. Je vais jamais l'utiliser, je vais faire feu toute ma vie, c'est ça, non? Comment je fais? J'essaie de fluidité, ça marche pas. Mais j'essaie de fluidité sur le poteau. Sur les murs, c'est plus simple de fluidité. Mais pourquoi je fais ça de toute façon? Voilà, un jet de glaçon, c'est bon. Parfois, les collisions avec les ennemis activent votre fluidité. Ok, je peux fluidité des gros. Fluidité. Fluidité. Oh là là, la caméra. Mais je verrouille depuis tantôt avec R1, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas de verrouiller l'ennemi? Ils m'ont appris à verrouiller et ça marche pas. Attendez. Pourquoi je peux verrouiller l'ennemi? Attends, comment j'ai fait? Mais c'est pas R1. C'est L1 plus R1. C'est normal? Ou c'est bugué? Come on.
J'ai pas déjà bugué le jeu quand même. Pas déjà. Quand même. Tu sais, la fluidité pour élaborer une stratégie d'attaque efficace et prendre l'avantage sur tes adversaires. Bon, votre fluidité est terminée. D'accord. These things with you. They're dream eaters too? Yeah. If I'm gonna survive the game, I'm gonna need some extra help. Putain, mais il bouge son boule. Think you could control them? Sure. I guess. Aval rêve. Mais je veux rien avaler, moi. Laissez-moi tranquille, je peux pas juste taper les ennemis. If we are ever to strike down Xehanort, we need the individuals King Mickey spoke of in his letter. We must lead them out of sorrow and slumber and back to our world. To do so, 7 sleeping keyholes must be found and unlocked, and a great power retrieved. As you know, every world is walled off from the next, preventing travel between them. In the past, you could bridge these gaps because the walls were broken, or because you could open special lanes with your keyblades. But your new goals, the sleeping keyholes, are harder to reach. You'll recall in your first journey that you brought many worlds back from the darkness. But some never returned completely. They still sleep, cut off from all outside channels. Not even the Heartless can enter. But these sleeping worlds are said to have their own manner of darkness. They are called Dream Eaters. And there are 2 kinds. Nightmares, which devour happy dreams. And benevolent spirits, which consume the nightmares. The Dream Eaters will guide you, just as the Heartless once guided you, to the keyhole you seek at the heart of each world. Ok. Entrée du glossaire, laissant en cœur. Liste des matériaux nécessaires à la création d'un miaou wadi wadi wadi. Ça a l'air compliqué et chiant. Lorsque tu bats des cauchemars à Valrêve ennemis, tu obtiens des bribes de rêve. Grâce à ces bribes de rêve, tu peux créer des esprits à Valrêve alliés. Pour commencer, sélectionne des esprits depuis le menu principal. Crée un esprit. Crée des esprits à partir de recettes. Crée des esprits librement. Tu peux créer des esprits depuis des recettes ou de manière libre. What? Pour créer un esprit depuis une recette, récupère d'abord les matériaux requis. Créer un esprit librement peut donner des résultats étonnants. Mais j'ai besoin des esprits ou je peux jouer sans? Après, je joue en difficile, peut-être il m'en faudra. Choisis l'esprit à créer et sacrifie une commande de toi. Ah! Pour lui conférer une augmentation de stats, mais oh là là. Ton nouvel esprit fait partie de la famille, donne-lui un nom et beaucoup d'amour. Ouais, non, laisse-moi tranquille. À présent, choisis la recette pour créer l'esprit que tu veux. Oh mon dieu. Création de mobilité, création de tranquillité. Miaoua! Qu'est-ce que cette grosse tête, difficile à dire, tout ce qu'on sait c'est que c'est de la merde. Prends un esprit de rang de niveau supérieur. Aussi sacrifier l'une de tes commandes pour monter les stats. Ok, je suis pas obligé. Vas-y, ok. Pas commencer à me faire des trucs de merde. Ok, j'ai créé une peluche. Ils ont vendu des peluches de ces merdes? C'est ça la vraie question. Donne-toi à ton esprit. Déjà que je donne pas de nom à mes Pokémon, je crois que ça a donné un nom à mes esprits.
Utilise des jouets d'entraînement pour jouer avec les esprits et les... Mais c'est Pokémon Let's Go, Evoli et tout ça, non? C'est la Poké Récré. C'est des Pokémon. C'est vraiment tu crées tes Pokémon. Mais je veux pas. Mais bar... Non. Barre-toi. J'appuie vite sur le tuto. Non. Ah, ah, c'est même pas un Pokémon. Au moins un Pokémon, c'est mignon. Arrête. Laisse-moi partir. Non. Ok, je te touche le cul. C'est bon? C'est bon ou pas le jeu là? C'est bon. Fusion de compétences. Sur l'écran fusion de compétences, tu pars du point de départ et tu dois dépenser des points de fusion pour progresser d'un espace à la fois. Débloque des espaces pour gagner des nouvelles commandes et compétences pour Sora et Riku. Me dis pas que c'est lié au fait que j'ai cajolé mon... Attends. Les points de fusion, je les ai gagnés parce que j'ai cajolé le... Le sac à patates. J'ai des points de fusion maintenant pour débloquer un nouveau pouvoir. Oh putain. Comment ça oui? Comment ça oui? Tu peux apprendre à activer des compétences spéciales et augmenter tes stats ou débloquer de nouvelles attaques. Elles s'obtiennent à... par le bailli des esprits. Des compétences que tu obtiens peuvent être activées à tout moment. Pour les compétences augmentant les stats, les esprits grâce auxquels tu les as obtenus doivent se trouver dans ton groupe. Si un ennemi est touché par ton attaque normale et celle d'un esprit, il est projeté dans les airs. Chaque fusion critique réussie augmente le niveau de ta jauge de fusion. En fusion de compétences de chaque esprit propose des récompenses différentes. Un nouveau esprit prend soin de profiter de nouveaux atouts dans ton aventure. Enfin les jouer en facile. Quand tu prends soin d'un esprit, maintiens R pour passer en mode photo. Avec cet écran va disparaître pour te permettre de faire un beau cliché. Créer des esprits et... Et je suis obligé d'avoir ce cochon qui me suit. Bon allez, on finit le jeu. On finit le jeu qui me dit. De toute façon, si j'ai bien compris, j'appuie sur carré. Et puis j'appuie sur X et ça fait des dégâts et puis c'est bon. Allez, carré. Allez. Bon. Faut aller où? Pourquoi il a un truc sur sa tête? Je sais pas. C'est pas la maison des 101 dalmatiens? Ils ont mis des caisses sur les portes qu'on peut pas ouvrir exprès pour qu'on s'en rende compte. C'est moi où il m'a chié dessus mon esprit? Putain, vos mères. Ok. Faut que j'aille où là? J'aime pas où je dois aller dans le jeu. Y'a pas d'objectif. Pour l'instant, je tape tout ce qu'il veut. Mais ce cercle géant qui pop sur mon écran, il me nique les yeux. Il y a une clé là par terre, mais je sais pas ce que c'est. C'est peut-être d'où je viens. Quoi, elle est où? Poursuis Nico. Ah, je vois où il est parti, ok. Ah oui, mais je l'avais complètement oublié ce gamin. Salut les gars. Nico.
Et quoi, c'est le niveau, c'est le nouveau Riku dans ce jeu? We had a bargain. What's the matter, Neku? Oh, no way! Un piège! Hey, that wasn't the deal. You said you wouldn't hurt him. Don't, Neku! They're too dangerous! What? Why am I so sleepy? Prends ma droguée comme une jeune fille à un bal étudiant. Ah, et du coup je joue les deux en fait dans le jeu, nice. Avec pas 300 prix avant l'arrivée. Aïe. Ah non, on peut s'arrêter pour récupérer plein de trucs si on veut. C'est quoi ça, un peu spam? Alors je fais ça et je fais... Oh. Une barre de vie ou... Ah oui. HP. C'est plus là de faire ça. C'est pas ça entre les mondes. Ils sont beaucoup plus surréalistes que. Même avec le Gummy vaisseau, c'était moins le bordel. Alors que c'était déjà vachement le bordel. Traverse Town? My clothes have changed. Oh, tu fais le beau gosse. Sora! Where are you? I remember we fell overboard after Ursula attacked. And then I think we opened a keyhole. So, this must be one of the sleeping worlds. J'ai déjà ouvert une my keyblade. Une serrure. It just sort of popped into my hand when I needed it most. Right. It started. Wow. Where's your portal? Huh? It takes something special to jump between grounds without one. Who are you? My name is Joshua. What do you mean, portal? Are we just skipping past the part where you tell me your name? Riku. Hello there, Riku. Portals are like gateways that link up our worlds. Apparently, the world you and I are standing in right now, well, there are two copies of it. It's been sort of split in half. Portals are what let folks like us cross between them. There can be two of a world? The world is as many things as people need it to be. The concept that we all live in the same world, that's just in our heads. Surely you knew. I'll tell you what, Riku. I've got a little errand for you. Sorry. I don't trust you. Aw, at least hear me out. I'm looking for a girl named Rhyme. She's the key to the portal. And on the other side, who knows who we'll find? Maybe even your friend, Sora. You know Sora? Now I have your attention. But unfortunately, I don't know where he is. If he's not in this version of the world, I can only assume he has to be in the other one. Simple logic. Okay, you want to find Rhyme? You got it. Let's go. Ah,
Putain, ça commence déjà les ambiances où on me dit de faire des trucs contre mon gré. Ça commence. Portail d'accès. Approche-toi d'un point rose et appuie sur X pour accéder au portail d'accès. Une fois à l'intérieur, tu peux affronter des esprits d'un autre monde ou faire équipe avec eux. Chaque portail comporte un niveau de difficulté, alors ne fonce pas tête baissée. Les étoiles indiquent le niveau de difficulté. Portail n'espérera pas sur abandonne ou tu pourras y accéder à de nouveau ultérieurement. Réalise au moins 3 attaques fluidité. Ouais, ok. C'est truc secondaire ça. Je dois taper le portail au moins une fois pour pouvoir passer. No ID, je suis perdu. Info, putain, j'ai pas lu l'info là. Au moins y'a un coffre. Putain, est-ce qu'il a un Keyblade de départ? C'est l'épée du méchant, mais vu qu'ils ont rajouté des ailes, c'est gentil du coup. Vorace. Lui aussi il a fluidité, non? Putain, mais il a la même fluidité, c'est quoi cette baise? Attendez au moins avoir une nouvelle. Ah, il est rouge lui là. Top glissé, Xia. D'or. Taras. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Encore une fois, aucune idée. Tiens. Bon, faut aller où? Poursuis Joshua. Encore? Du coup ça c'est un des portails. Et je dois y aller pour gagner des trucs ou ça se passe comment? Je suis pas obligé d'y aller. Non mais Saras, qu'est-ce que je m'en fous? Je peux aller taper des... Je peux aller me taper contre des peluches. Why don't they ever attack you? They being dream eaters? They won't go after you unless you're a dreamer. Which is funny because I've got plenty of dreams. But they're definitely attacking me. So, you think I'm a dreamer? Every human being is a dreamer. I had a friend once who said he never dreamed of anything, but it turned out that his were the most powerful dreams of all. You sort of remind me of him. Why don't we give your dreams shape? In this world, they take form as dream eaters, which can become great allies. Ah, j'ai gagné la recette d'une nouvelle peluche. Un nouveau Pokéfion. Essaye de créer un nouvel esprit. D'accord. Du sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Ah merde, j'ai pas mis l'agent chimique X visiblement, c'est compliqué. Donne-la-nous à ton esprit, mais barrez-vous. Comment je fais pour pas mettre? J'ai oublié d'aller dans le menu tout en bas et appuyer sur X. Y'a pas un raccourci validé, d'accord. Dommage. Parce que c'était chiant. I got you now, Joshua. Hmm? Once I take you down, yo, me and Rhymes is going back where we belong. Beat. Ben, mais c'est un mec de la Team Skull. How many times do we have to go over this? You've been tricked by that rogue in the black coat. What? Black coats? But that's... I'm telling you, you've made a friend of our enemy. Just can it, alright? Your inverse psychiatry ain't gonna work. Let's go, Dream Eaters! Mais il envoie son truc comme un Pokémon, mais... Man, not cool. Putain, mais c'est abusé. Ça, c'est pas un combat de Pokémon, je sais pas ce que c'est.
Sora et Riku fusionnent avec leurs esprits. What? Fusion avec les esprits. Remplis la jauge de fusion d'un esprit pour qu'il te transmette ses pouvoirs. Alors c'est quoi les pouvoirs d'un cochon d'Inde et d'une chauve-souris? Sora utilise des attaques fusion pour attaquer ses ennemis avec ses esprits. Riku change de style de fusion et absorbe la puissance de ses esprits pour améliorer ses combats. La jauge se remplit à chaque fois qu'un esprit réussit une attaque. Fusionner avec un esprit, fusionner avec les deux. Ah, on pourra avoir deux esprits. Échanger avec gauche-droite. Bon, c'est un peu le même délire que quand on pouvait invoquer des collègues dans Bird by Sleep en vrai. Mais j'essaie de fusionner avec Vampy truc, j'y arrive pas. Regardez, échange. Mais il est grisé alors que sa jauge de. Sa jauge est remplie, non? Ah ouais, fusion. C'est bon ça? Ah, c'est stylé. En mode chauve-souris, j'ai. Ok. Remplis la jauge de fusion de deux esprits dans ton groupe, tu pourras fusionner avec les deux sumus. Okay. Yes. Ouais. Ah mais c'est bon. Ok. Pour avoir deux esprits à la place de Donald et Dingo. You know what? Forget it. This is stale, yo. Playing the tough guy 24/7? I'd be worn out too. I just want to protect the one person who matters. I know the feeling. Why am I suddenly so sleepy? Ok, on l'a drogué aussi. Flashback, la guerre des Keyblade. Ah mais en fait, à chaque fois, il y a des flashbacks. C'est ça le délire? Long ago, in the age of fairy tales, the world was filled with light. A gift many believed from an unseen power known as Kingdom Hearts. You see, Kingdom Hearts was protected by its counterpart, the Keyblade, so that none could ever lay hands on its mysteries. But in time, the world was overrun by legions who wanted the light all for themselves, and the first shadows were cast upon the land. These warriors crafted Keyblades in the image of the original Keyblade and waged a great war over Kingdom Hearts. We call this the Keyblade War. But though the war extinguished all light from the world, the darkness could not reach the brightness inside every child's heart. With that light, the world was remade as we know it today. With countless smaller worlds shining like stars in the sky. As for the real Keyblade, it did not survive the battle. The two elements that created it, one of darkness and one of light, shattered into 20 pieces, 7 of light, 13 of darkness. And as for the source of all light, the one true Kingdom Hearts, it was swallowed by the darkness, never to be seen again. As long as it remains there, even the brightest world will have its dark corners. After all, light begets darkness, and darkness is drawn to light. For this reason, some decided to use the Keyblade, a weapon designed to conquer the light, to defend the light instead. These were the first heroes of the Keyblade. Ok, intéressant. La guerre des Keyblades rajoutée au glossaire. Kingdom Hearts. X-Blade. Ils appellent Keyblade aussi, ça fait confusion hein, sans les sous-titres. Keyblade et la Keyblade originale s'appelle Keyblade. C'est malin ça. Where is he? Huh?
They're both gone. On dirait que c'est fait gratuitement pour t'emmêler. Before I fell asleep, Neku said that he and that creep in the coat had a deal. But what was the deal? Are the two of them in league? That can't be right. We never even found Neku's partner. Le mec a dit à Neku de te ramener ici contre des bons becs. Il a dit que c'était juste pour pas te faire de mal. Voilà. Pour passer d'un personnage à l'autre dans ce jeu, tu dois alterner entre soi et coup pour progresser dans l'histoire. Pour passer d'un personnage à l'autre, sélectionne passage sur l'écran de pause dans le menu. Oulala, ça va être long. Ça va être compliqué. La jauge de passage se vide au fur et à mesure. Le sommet ainsi que d'autres interactions pour baisser la jauge de passage plus rapidement. Ça veut dire quoi cette jauge? Attends. La jauge de passage se vide au fur et à mesure que tu explores le terrain. C'est-à-dire au bout d'un moment, je suis obligé de switcher. Le sommet ainsi que d'autres altérations d'état font baisser la jauge, le niveau de la jauge de passage plus rapidement. Quand la jauge est vide, tu entres dans une période bonus où des gouttes apparaissent plus fréquemment. Des gouttes. Une fois cette période bonus écoulée, tu passes au personnage suivant. Des gouttes. Des gouttes. Explore la zone. Non. En fait, tu veux que j'attaque des trucs pour gagner des trucs pour faire des Pokémon, c'est ça? En fait, faut juste que je trouve, comme dans tous les Kingdom Hearts, la technique craquée et je la spam. C'est bon, il m'envoie des ballons dans la gueule. T'as les écrans qui me disent que je peux faire un truc, ils me rendent fou. C'est quand je peux changer mes putains de commandes dans ce jeu nul. Explorons la zone. Ah, c'est exploré. Ah, d'accord. Je vois le truc électrique. Il n'y avait pas un coffre ici, ici. Je peux l'ouvrir avec les deux persos, ça c'est nice. Oula, on voit rien dans les endroits clés. Force augmentée, nice. Ouais, on va. Ça s'appelle panneau électrique. Ok, premier district est ouvert, visiblement. Ou plutôt, il est alimenté. Qu'est-ce qu'il a, monsieur la boîte aux lettres? Comprendra. Qu'est-ce que j'allais demander encore? Des gouttes. Ah ouais, j'étais possédé par les gouttes. On comprendrait ce qu'on est. Ce qu'on est. J'essaie de me taper. J'essaie de faire de la fluidité contre l'arbre, j'y arrive pas. Faut que je saute pour le faire avec les poteaux, d'accord. C'est ça la truc. Mais pourquoi j'utilise des popos comme ça? Je comprends pas. Bah oui, c'est vrai, elles sont. Oh là là. Je déteste ce jeu. Je vais utiliser toutes mes popos en fait. Attendez, je vais vider mes popos, est-ce que c'est chiant? Peut-être que j'ai accès à mes commandes et que je vais pas remarquer. Ce serait étonnant. Ah si, j'ai le jeu de commande. Ah bah je viens d'avoir. Jeu de commande, plus des commandes, place-les dans le jeu de commande pour faire un jeu de commande, jeu de commande, jeu de commande, jeu de commande. Je te commande. Modifier le jeu de commande.
Retirez-moi cette putain de potion. Je chute, je sais pas quoi, sommeil. Enfin, moi, c'est les magies que j'aime bien. On va mettre ça pour le moment. Ça rase ce truc. Visiblement, c'est optionnel de combattre des mobs dans la ville. Faut que j'aille dans le trou de toute façon de la boîte aux lettres. Partons d'ici. D'accord. Post office. Ah, mais toutes ces lettres qui ne sont pas livrées, les facteurs sont en grève. Ah et ça je sais, faut que je fasse ça. Je peux sauter vers un. Oui, je pouvais cancel. Je vais voir si je pouvais tomber, visiblement oui. Ça a l'air grand comme niveau. Putain, mais je vais me faire livrer, niquez-vous. Oh putain. Trouve Nico et sa partenaire de jeu. Est-ce que je suis obligé de les taper? On va quand même un peu taper des mobs. J'imagine qu'il faut que je monte tout en haut et que je prenne le rail vert, hein, si j'ai bien compris. Je monte tout en haut et que je prenne le rail vert. Merde. Moi je veux juste faire une échelle. Ok, il a explosé carrément. Et c'est pas par là. Hop, nice. On par là. Ah bah voilà. Non mais attends. Prends le coffre. Dans l'autre sens du coup. Ok. Même pas besoin d'appuyer carré, je me rapproche, mes pieds sont aimantés direct. Oula. Mon cochon était déjà là. Ça, mais ça m'a juste amené vers un niveau. Vers un stage. Ah, là y a un ascenseur. Oula.
Niquez-vous. Mais c'est tellement craqué le système de glisse parce que... On dirait qu'ils peuvent même pas t'attaquer, c'est un combo tellement gratuit. C'est quoi ce ballon? C'est juste un ballon pour le fun. Laisse-moi monter! Oh putain. J'ai cru que j'allais mourir, mais non, je suis mort. Ok, ça m'amène. Ah, ça va peut-être m'amener près du rail vert. Petit rail de coke. On va pouvoir avancer. Passage 2.2. Au bout d'un moment, faut quand même que je bouge. Hein. Non, dans l'autre sens, Jack. C'est bon. Attends. Voilà. Il y avait un coffre. Et des mecs gratuits. Ah non, j'ai quand même pris des dégâts pendant que j'étais en... Ok, faut quand même prendre des dégâts. Mais putain, il a des... C'est quoi ce Pokémon avec des cornes lance-flammes? Ça c'est stylé. Et où ça ferait un Pokémon fort? C'est moi où il m'a healé? Oh, c'est le meilleur cochon. Non. C'est pas grave. Prends l'ascenseur. On n'est pas du tout pressé. Pas du tout. J'ai envie d'appuyer sur carré pour taper, mais je suis sûr que je vais tomber de la plateforme. Faut que j'appuie. Ah, mais carré, c'est pas taper, je suis bête. C'est X qui tapait. Mais attends. Ah. Yes, j'ai réussi à jouer au jeu. Ça, c'est pas facile. Attends, fluidité sur un mur, saute puis cours sur le mur. D'accord. Mais d'abord je prends le rail de coke. Attends, fluidité sur un mur. Saute. Ah oui, c'est vrai. Je suis un super saiyan. Fluidité saute. Oh. Il me reste que 20 secondes de fluidité. Faut que je passe. Faut que je passe la main, vite. Regardons. On dirait une course de relais. Vas-y, go. Go, Riku, go. Gouttes. J'ai gagné tes gouttes. 32 gouttes. Pas d'objet fétiche. Je suis pas un mec comme ça, hein. J'ai pas besoin d'objet fétiche. Bonus et points de passage. Bonus de relais. Putain, mais c'est vraiment une course de relais. Sur l'écran de passage, tu peux dépenser des points de passage pépé pour octroyer des bonus au personnage suivant. Ralentisseur. Gain d'attaque. Y'a pas gain d'XP tout simplement. Ah, y'a toujours les munis. C'est la munie des petits garçons. Récupère ces gouttes. Putain, mais c'est des gouttes de sperme. C'est dégueulasse. Trouve ce portail d'accueil et termine-le. Ah putain, mais. Chacun à son tour, il se touche la bite. Et il récupère chacun un certain nombre de gouttes. Créature féline repérée, ballon. Récupère cet objet fétiche. Ballon. Ils aiment bien les ballons dans ce jeu. Hein. Je vois que les mobs ils m'envoient des ballons à la gueule. Pour récupérer des ballons à l'objet fétiche. Comment indiquer ci-dessus? Il existe trois façons d'obtenir des pépés. Que je peux gagner des pépés en faisant les portails nuls. Là. On est d'accord, les portails nuls, c'est pas grave si je les fais pas. Gain d'attaque. Conversion. Où est-ce que je vois mon nombre de... Hein? Joueur d'entraînement qui te permet de lancer des ballons pour avec tes esprits. Je veux pas. J'ai 32 pépés qui vont devenir $32. Non mais je veux rien.
Non, non. Non, je veux rien, moi je joue Vanilla. Bah tu peux à nouveau sauter sur le mur tantôt, d'accord. Ouais, là il y avait un plafond visiblement.